Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour une vidéo bilan des lectures d'été. J'ai fait un sondage sur Instagram qui a été très très serré puisque j'hésitais entre faire la vidéo de présentation de ma pal pour le mois de septembre ou faire le bilan de cet été. Et à une voix près, ça a été le bilan. Donc voilà, je pense que je ferai quand même la pal très très vite parce que septembre a déjà commencé et j'ai commencé à piocher un peu dedans. Donc je pense que je vais faire ça vraiment à la suite quasiment et le sortir très très vite. Si je peux, j'en sortirai une exceptionnellement, une deuxième dans la semaine. Sinon, ce sera la vidéo de lundi prochain. Pour ce bilan, alors il va y avoir beaucoup de livres qui apparaîtront en affichette là ou là, je ne sais pas encore. Parce que soit c'était des emprunts, soit c'est des livres numériques. Et je trouve pas ça hyper évident de vous montrer ma liseuse avec l'image en noir et blanc. Enfin, je trouve pas ça top. Donc, je vous rajouterai des affichettes. C'est aussi bien, enfin, je pense. Au moins, vous voyez vraiment à quoi ressemble la couverture. Donc, j'ai choisi pour faire le bilan de vous parler donc, du 1er juillet au 31 août. J'ai beaucoup moins lu que des étés précédents. J'étais pas du tout dans un mood lecture. Enfin, j'ai eu 2 semaines de vacances en juillet et je crois que j'ai lu que Rainbow Days, dont je vous parlerai. Vraiment, ça n'a pas été 2 semaines de lecture. Alors que je m'étais fait consciencieusement une superbe pale prévisionnelle et à laquelle je n'ai pas touché, ou presque. Donc, le bilan quantitatif est pas hyper ouf. Mais niveau qualité, c'est plutôt pas mal, puisqu'il y a une grosse déception, un abandon, et dedans, il y a deux gros coups de cœur, des très très bonnes lectures. Donc voilà, c'est plutôt un bilan niveau qualité qui est pas mauvais. Alors on va commencer avec le mois de juillet, avec celui qui était la première vidéo de la chaîne, avec le faiseur de rêve. Donc je vous en avais parlé, donc je vais parler assez vite puisque finalement pendant 10 minutes je vous ai déjà bien, bien parlé de ce roman qui est juste fabuleux. Pareil, je continue, si vous ne l'avez toujours pas lu, allez-y, il vaut vraiment le détour. C'est un monde incroyable. Alors je l'ai lu, du coup j'ai pris mon temps, ce qui n'a pas aidé à mon rythme de lecture. Mais voilà, j'ai vraiment pris mon temps, j'ai vraiment profiter de ce livre qui est juste incroyable. Voilà, donc c'est Le Faiseur de rêve d'Eleni Taylor. C'est un petit pavé puisqu'il fait 664 pages, mais on voit pas les pages passer. On a envie qu'il y en ait encore 600 de plus, et finalement, c'est peut-être ce qu'il y aura avec le deuxième tome. Donc voilà, je vais pas vous saouler avec le résumé puisque vraiment j'en ai bien parlé dans la vidéo que je mettrai en lien en dessous. Mais voilà, allez-y, lisez-le, c'était vraiment un gros coup de cœur que je recommande vraiment, vraiment, vraiment. Je crois que c'est à peu près le seul roman que j'ai sur moi pour le mois de juillet. Parce qu'ensuite j'ai lu Click and Love, j'avais envie de vraiment changer de style. Donc Click and Love, c'est de Cyril Massarotto, c'est paru chez Ixo. Ting ou ting, je sais pas encore. C'est un roman qui me faisait pas mal envie, d'autant que j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien de Cyril Massarotto et que je n'avais jamais lu ses livres. J'ai passé plutôt un beau moment, mais arrivé à la fin, j'étais un peu déçue. J'ai trouvé ça un peu facile en fait. Enfin, j'ai trouvé que ouais, ça manquait d'un truc un peu punchy. Et du coup, c'était juste une bonne lecture, mais ça reste une bonne lecture. Enfin, c'est juste qu'effectivement. Après Le Faiseur de rêve qui avait été merveilleux, c'était un peu moins bien, mais ça restait très bien quand même. On suit deux personnes qui sont inscrites plus ou moins contre leur gré à une nouvelle application de rencontre et elles vont commencer à se parler, sauf que l'application gère tout. Vous ne pouvez pas échanger vos numéros de téléphone, vous ne pouvez pas donner d'indices trop forts permettant de vous retrouver en dehors de l'application. Vous avez un certain laps de temps pour vous parler. Et petit à petit, plus vos coefficients de match sont importants, plus vous aurez la possibilité d'échanger jusqu'à la rencontre finale où, en gros, vous rencontrez l'homme ou la femme de votre vie.
Les personnages sont plutôt chouettes, j'ai bien aimé. Mais je vous dis, enfin, vraiment, ce qui a fait baisser un peu mon jugement, c'est la fin qui m'a un peu déçue. Après, voilà, j'ai passé un très bon moment, je l'ai lu en une soirée, enfin, je l'ai lu d'une traite. Donc, c'est quand même plutôt bon signe. Ensuite, j'ai lu Mon plan D, qui était une très bonne surprise. C'est de Andrea Smith, c'est paru chez Hachette. La chronique va sortir sur le blog jeudi, je crois. Je sais plus. Je l'ai programmée. Pareil, de toute façon, je vous mettrai le lien, puisque celle-là, en plus, elle est vraiment écrite. Donc voilà. Mon plan D, on suit Kenza qui. Kenzie, Kenzie plutôt. On suit Kenzie qui fait des listes pour tout depuis le divorce de ses parents. Elle s'est mise à faire beaucoup, beaucoup de listes, mais pour tout et n'importe quoi. Donc évidemment, pour ses crushs, pour les garçons qu'elle aime bien, elle fait des listes. Et un jour, elle a fait donc sa liste de crush et elle la perd. Problème, elle cherche partout et évidemment, vous vous doutez bien que le lendemain, quand elle arrive au lycée, sa liste est placardée partout, avec le plan A, le plan B, le plan C et le plan D. Dedans, vous trouvez en plan A le beau gosse, évidemment, en plan B, son meilleur ami. Ça va être un peu plus tendu, du coup, niveau relation amicale. En plan C, c'est celui qui est à la caisse d'où elle fait ses courses. Un peu gênant, parce que c'est un lycéen aussi, donc il va voir la liste. Et en plan D, celui qu'on veut absolument pas, c'est son voisin, qui va lui déclarer que il n'a qu'un but, c'est que de passer en plan A désormais. On pourrait croire comme ça que c'est hyper cliché, etc. Et finalement, il y a des petits trucs qui font que les personnages sont moins légers que ce qu'il n'y paraît. Et on prend beaucoup de plaisir finalement. Enfin, ça marche bien, on a envie d'en savoir plus. Kenzie, elle est vraiment trop mignonne. Enfin, elle est hyper maladroite, c'est la fille. Elle marche sur du plat, elle va tomber. Enfin, oui, je me suis beaucoup reconnue là-dedans. Elle est très chouette, on s'attache vraiment à elle. Pour les personnages masculins, j'ai eu un chouchou. J'avoue, je vous dirai pas qui, évidemment. Mais voilà, ça se passe très bien. C'était une très bonne surprise. Contrairement à autre livre qui est toujours chez Hachette, qui est de Indie A, c'est Mystère Populaire and I. Clairement, j'en attendais pas grand-chose, mais pendant l'été, j'avais envie de petites romances qui prennent pas la tête, etc. Et franchement, ça l'a pas fait du tout. Je pense que d'ailleurs, c'est la chronique la plus négative que j'ai jamais écrite. Mais voilà, enfin, j'ai vraiment pas trouvé de points très positifs dans ce roman. Ça m'a pas du tout accroché entre les personnages, l'histoire, les rebondissements, enfin j'ai trouvé que tout était soit trop cliché, soit trop facile, soit les personnages n'étaient pas attachants, soit il y avait des erreurs de scénario, enfin des trucs qui ne matchent pas. Bref, mon plan D m'a bien réconcilié avec une romance avec Hachette parce que Mystère Populaire and I, je me suis forcée à aller jusqu'au bout alors qu'en général j'abandonne, mais j'étais tellement sûre que ça allait finalement s'améliorer et non, malheureusement non. Donc comme ça, je vous ai parlé de deux romans du mois de juillet. La seule lecture qui reste pour juillet, c'est Rainbow Days. Donc c'est un manga de Minami Mizuno qui est chez Kaze. J'ai relu le tome 2-3. Il me semble que j'en étais au tome 3. Mais en fait, ça faisait tellement longtemps que je ne savais plus à quel tome je m'étais arrêtée. J'ai été du tome 2 au tome 13. Il ne m'en reste plus que deux pour finir la série. Rainbow Days, en fait, c'est assez incroyable parce que c'est un manga qui me plaît plutôt bien, mais vraiment sans plus. Je peux passer un temps fou sans le reprendre, sans le lire. Et une fois que je suis dedans, il me faut la suite, il me faut la suite tout de suite. Sauf que bah, vous vous doutez bien que du coup, il me manquait les deux tomes restants et que j'ai pas pu les lire. Donc, je ne sais pas du tout quand est-ce que je lirai ces deux derniers tomes. Idéalement dans pas trop trop longtemps pour ne pas tout oublier. Mais voilà, je passe un bon moment sans que ce soit un coup de cœur, mais c'est une série que finalement j'aime bien. Ouais, c'est une bonne série. Pas de coup de cœur, mais bonne série qui permet d'avoir envie de lire la suite.
On suit, en fait, on est dans un shoujo et on va suivre quatre personnages masculins qui ont tous des visions différentes du couple, de comment doit se passer un couple, de comment on va draguer, etc. J'ai aucune vision qui corresponde totalement à la mienne d'ailleurs. Il y en a qui sont beaucoup, beaucoup trop romantiques et d'autres qui sont un peu pas assez romantiques quand même. Mais voilà, enfin, j'aime bien, c'est plutôt drôle, même si parfois j'avoue que le personnage le plus romantique, j'ai envie de le secouer. Mais voilà, je passe un bon moment, il me reste plus que 2 tomes, donc bah voilà, je vais finir la série. Et voilà pour le mois de juillet. J'ai oublié de vous parler, je sais plus si c'était en juillet ou en août, mais je vous en ai déjà parlé dans l'update lecture, donc ça ira très vite. Je l'avais gardé avant de le rendre au cas où je devais le remontrer pour la vidéo. Donc c'était Emma 2.0, bah, je crois que c'était début août, mais bon, voilà, bref. De toute façon, ça fera la transition au pire. Que j'ai abandonné. Voilà, ça fait quelques abandons quand même. Hein. Donc je vous disais qu'il y en avait vraiment deux qui m'avaient pas plu pendant cet été. Celui-ci, bah, je vous en ai déjà bien parlé pendant l'update lecture. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Je remettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, malheureusement, celui-là, ça l'a pas fait, principalement à cause d'Emma. Mais voilà, tant pis, c'est malheureusement le jeu. Pour le mois d'août, globalement, vous allez être moins surpris puisque bah, la plupart, je vous en ai parlé soit en vidéo consacrée comme pour Lou, soit dans l'update lecture de la dernière fois. Il y en a juste un dont je vous ai pas parlé du tout, c'est le dossier Handle de David Moitet qui est sorti chez Didier Jeunesse. C'est un roman policier, thriller, ado. On va suivre un personnage qui se retrouve à enquêter suite au meurtre de ses parents. Alors qu'il descend, enfin, il parlait plus à ses parents depuis 2 semaines, puisqu'il venait d'apprendre que bah, il avait été adopté et que personne ne lui avait jamais dit. Même si ça semble beaucoup plus compliqué que ça. Et un jour, alors qu'il est appelé par ses parents qui sont à table, quelqu'un sonne à la porte, demande si notre héros est bien celui qu'il pense être. Oui. Et là, les parents sont tués sous les yeux de notre héros. Il va réussir à s'échapper grâce à un petit pouvoir qu'on aimerait bien tous avoir. Mais voilà, il vient de voir ses parents mourir sous ses yeux alors que ça faisait 2 semaines qu'il leur faisait la gueule et franchement, c'est pas facile de s'en remettre. Tout ça sans savoir pourquoi. Et il va donc se retrouver à enquêter sur bah, ce qui lui est arrivé, pourquoi cet homme, enfin ces hommes le cherchaient. Et on va partir dans une espèce d'aventure avec une tension qui monte petit à petit. C'est vraiment très bien réussi. Il y a un petit côté fantastique avec certains pouvoirs qui se mêlent. Et vraiment, on accroche bien, on le lit d'une traite. C'était vraiment une très très bonne surprise. Sinon, bah, rapidement, je vous en ai déjà parlé, mais j'avais lu donc La Nouvelle Vie de Kate Reddy, que je vous invite toujours à lire, qui a un beau petit pavé, mais qui se lit très bien, qui s'enchaîne bien. Donc pareil, je vous invite à lire, à écouter, à regarder, voilà, à regarder plutôt, et à écouter la vidéo sur l'update lecture de la dernière fois. Ce sera pareil pour celui-ci, Follow Me Back. Et pour Les Fureurs Invisibles du Cœur, qui est vraiment très chouette et qui en plus maintenant est sorti, donc n'hésitez plus, foncez le lire. Et pareil, bah, pour Lou et les Hommes, qui n'est pas là parce que je l'ai laissé traîner dans ma voiture et que j'ai oublié de le récupérer, celui-là a une vidéo complète consacrée. Donc allez-y, lisez-les. Vraiment, je vous pousse à foncer et à les découvrir. Voilà, ça fait un bilan plutôt pas mal, mais moins que ce que j'aurais espéré. Ça nous fait une douzaine de livres lus, enfin un peu plus, puisque déjà il y a 11 mangas, mais voilà, j'aurais aimé lire un peu plus. Après, voilà, j'ai fait pas mal d'autres choses et c'est comme ça. Je me suis amusée à calculer, ça fait à peu près 6100, presque 6200 pages.
ce qui reste plutôt pas mal. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plutôt le bilan est positif. J'ai eu deux énormes coups de cœur. Deux très très bonnes. Enfin, oui, deux très très bonnes lectures. Des très bonnes lectures et juste deux déceptions. Donc finalement, c'est pas mal. C'est des mois comme ça qu'on aimerait avoir un peu tous les mois. En attendant, bah, j'espère que vos lectures d'été ont été très bonnes. Si vous avez eu des coups de cœur, n'hésitez pas à me les signaler, à me dire, histoire que bah, soit je vous dise que moi aussi ça a été des coups de cœur ou pas, ou que je les découvre à mon tour, comme si je n'avais jamais, enfin, comme si j'avais rien à lire, mais je suis toujours preneuse de nouveaux titres, donc n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous a plu et je vais tourner maintenant la pâle prévisionnelle de septembre et j'espère la mettre aussi cette semaine en ligne. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine, pleine de belles lectures et je vous dis à bientôt!